Bonjour à tous, c'est Soussou, j'espère que vous allez tous très très bien, bienvenue pour ce nouveau tuto sur Gran Turismo 7 qui vous permettra aujourd'hui de bien commencer sur le jeu, notamment de savoir vers quoi aller, comment avoir des crédits, ses premières voitures, etc. Donc j'espère évidemment que ça vous plaira. Moi de mon côté, le jeu je l'ai depuis son jour de sortie, j'y passe énormément de bons moments et je me suis dit pourquoi ne pas partager quelques conseils pour commencer. Et si vous souhaitez peut-être davantage de vidéos sur le jeu pour notamment personnaliser sa voiture, améliorer sa vitesse de pointe, etc. N'hésitez pas simplement à me le faire savoir dans l'espace commentaire de la vidéo. Mais maintenant, on commence tout de suite ce tuto pour vraiment bien débuter sur le jeu. Allez, c'est parti! Pour bien débuter sur Gran Turismo 7, il y a deux choses que vous devez impérativement connaître, et la troisième, c'est un petit peu du bonus, mais je me suis dit qu'il était assez important de le rappeler, car à des moments on peut ne pas y penser, et c'est tout de même des crédits qui sont donnés de manière assez facile. Donc comment ça se passe? La première chose, c'est simplement le mode café. On peut ne pas comprendre de quoi il s'agit au début, on peut aussi se dire que ce n'est pas important, néanmoins, le mode café, c'est clairement le mode d'histoire. C'est ici que vous aurez pas mal de défis qui vous seront donnés et que vous devrez accomplir pour débloquer des nouveaux circuits mais aussi des nouveaux véhicules. Et ainsi, dans le mode café, il vous suffira simplement de respecter ce qu'il vous sera demandé. À des moments ça va être des courses, à des moments des améliorations par rapport à la voiture, donc ça peut être faire en sorte d'augmenter son nombre de chevaux mais aussi potentiellement de simplement la nettoyer. Vous allez évidemment très vite comprendre de quoi je parle, mais c'est vraiment de cette manière que vous allez réussir à débloquer les circuits, les voitures, mais aussi surtout pas mal de nouveaux modes sur le jeu, comme notamment le mode multijoueur. Ainsi, de cette manière, lorsque le défi sera bien accompli, que vous aurez fait la course et ainsi de suite, il vous suffira de nouveau vous rendre dans le mode café et de récupérer le gain qui avait été proposé. Donc la plupart du temps ça va être des véhicules, ce qui est tout de même quelque chose d'assez intéressant pour notamment augmenter les performances sur les prochaines courses en utilisant les voitures qui vous seront données. La deuxième chose désormais à bien connaître, c'est le permis. Le permis, c'est un bon moyen de gagner des crédits mais aussi des voitures. Ça va vraiment dépendre de si vous avez l'or sur tous les circuits ou alors sinon si vous avez au minimum le bronze. Mais en tout cas, si vous avez le bronze, moi de mon côté, ce que je vous recommande, c'est vraiment de chercher à débloquer l'or pour avoir un véhicule davantage mieux entre guillemets. Donc moi exactement, c'est ce que je vais faire. Vous allez voir que sur mon mode permis à moi, j'ai vraiment tout l'or sauf sur un seul circuit qui est l'avant-dernier où j'ai eu l'argent. J'arrive vraiment pas avec celui-ci, mais en tout cas, je vais faire en sorte de continuer afin évidemment de débloquer le véhicule qui est proposé si on arrive à avoir l'or sur vraiment tous les circuits du mode permis B. Et le permis B surtout, il est important parce que en plus du mode café, c'est un moyen pour vous d'avoir accès au mode multijoueur et il est super important et vous n'y aurez pas accès si jamais vous n'avez pas le permis B. Donc en tout cas, le permis, c'est un beau moyen également d'avoir des véhicules mais aussi des crédits de manière assez simple. Donc ça peut être le permis B mais aussi tous les autres permis. Et moi, si vous voulez mon avis pour débuter, je vous recommande de directement commencer par les permis afin évidemment de vous dire que c'est bon, c'est fait et vous pourrez passer directement au mode café, histoire de voilà faire les choses étape par étape. La troisième chose désormais, et comme je vous le disais, c'est un petit peu le bonus, c'est simplement les tickets entre guillemets de Tombola. Donc comment ça se passe? Si vous allez dans le garage et dans vos cadeaux, vous allez voir que vous aurez simplement des tickets qui vous seront donnés au fur et à mesure où vous allez avancer dans le mode café mais aussi directement sur le permis. Et c'est un bon moyen pour débloquer aussi bien des véhicules mais aussi des crédits. Ça va vraiment être quelque chose un peu de hasard, mais la plupart du temps, et je vous le dis maintenant pour l'avoir fait plusieurs fois, ça va être des crédits et le minimum possible, c'est à dire 2000 ou 5000. Après évidemment, si vous avez plus, c'est vraiment que vous avez eu de la chance, mais comme je vous l'ai dit, la plupart du temps ça va être entre 2000 et 5000 crédits. Mais c'est toujours du bonus en sachant que c'est des cadeaux qui vous sont donnés au fur et à mesure, et surtout c'est des cadeaux qui expirent. Donc faites vraiment attention à ça, ils expirent au bout d'un mois à peu près, et si vous ne les utilisez pas, malheureusement ils partiront. Et c'est entre autres des crédits qui sont partis un petit peu comme ça. Donc vérifiez bien assez régulièrement les cadeaux et les tickets que vous avez. Bon, maintenant j'espère évidemment que la vidéo en ma compagnie vous aura plu. Si vous souhaitez peut-être davantage de tutos sur Gran Turismo, n'hésitez n'hésitez pas simplement à me le faire savoir dans l'espace commentaire. Je me dis tout de même que des vidéos pour améliorer son véhicule sont des choses qui peuvent être assez intéressantes, donc je vous laisse simplement me le dire comme je vous l'ai dit dans les commentaires. Moi maintenant je vous dis désormais à très bientôt pour de nouveaux tutos, c'était Soussou, allez bye tout le monde.